monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve enfin. On est mardi, mardi combien? Mardi 9, ouais, 9 août. Je n'ai pas tourné de vidéo depuis, il me semble, ça fait presque une semaine, mis à part mon tirage au sort que j'ai fait tant bien que mal. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi, je me remets gentiment d'une intervention chirurgicale. Et ce matin, c'est la première fois que je me sens capable de faire quoi que ce soit. Donc, ce petit colis dort dans mon armoire depuis plusieurs jours. C'est pas normal, vous voyez, c'est juste pas normal. Moi, normalement, ça arrive, j'ouvre. Je peux pas attendre, je ne peux pas. Et bien là, il a fait dodo. Alors, bah depuis, ouais, ça fait bien 4-5 jours que je l'ai. 4 jours. Ça fait en tout cas 5 jours qu'il est au relais et je suis allée le chercher avec mon fils en traînant les pieds. Enfin bref. On s'en fout. Désolée. J'espère que le ventilateur ne sera pas gênant, mais je peux pas. Là, il fait vraiment très chaud. Donc ce colis, eh bien, il me provient tout droit de chez ma petite Kikou, Cécile, de la chaîne Kikou et Diamond Painting. C'est une toile Diamond Art Club. Je vais ouvrir en même temps. Vous avez dû voir passer l'offre 4 plus 2 offerte. Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis à un groupe. On s'est mis en groupe, en fait, pour faire une commande bah, groupée. Hein, voilà. Pour que le tout. Parce que bon, je pense qu'individuellement, on n'était pas, n'avait ni envie, ni les moyens de prendre 6 toiles. Hein, mais par contre, tous ensemble, une toile ou deux pour certains, et ben, ça nous revenait quand même. C'était ça, c'était intéressant au niveau des prix. Voilà. Parce que la réduction appliquée à tous, eh bien, faisait baisser le prix de chaque toile. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et bon, voilà. Alors, et donc c'est Cécile, la petite Kikou, qui a eu la gentillesse de s'occuper de cette commande groupée et ensuite de la redispatcher. Donc, ma Cécile, merci énormément. En plus, tu m'as fait un paquet au top. Il est beau comme tout. J'ai très hâte de découvrir ma toile. On va regarder ça ensemble. Hop. Alors, pour mon plus grand désespoir, ce visuel est un coup de cœur, mais il n'est sorti qu'en rond. Donc, tant pis, je l'ai pris en rond parce que vraiment, j'aimais trop l'image. Il s'agit de Protégé de Dimitra Milan. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Le côté aquarelle, un peu passé, le renard, la femme, tout est beau. Tout est beau. Ah, je suis fan. Allez, on va regarder ça. On va regarder ça. Je n'ai jamais fait de diamant rond de chez DAC. Alors, bah écoutez, ça sera l'occasion. Ce sera l'occasion de voir ce que ça donne. Donc, ah oui, on va juste regarder ensemble. Normalement, la taille est correcte, donc je devrais pouvoir vous montrer sur ma table. C'est une 56 par 66 cm. C'est dans les bords, hein. Chez DAC, on parle de la surface à diamanter. Oh, nouveau toolkit! Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un nouveau toolkit DAC. Hop! Ah, mais attendez, regardez ça. J'ai un flyer sur l'artiste. Non, mais. Oh, ah, j'adore. Mais regardez ce qu'il nous fait, lui. J'aime trop cet artiste. Alors, lui ou elle, hein, désolé, je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme. Il y a tellement d'images de cet artiste que j'adore. Regardez celle-là. Oh là là. Bon, bah, voyez, en fait, il a des réseaux, évidemment, hein. Découvrir your inner artist. Discover, pardon. Découvrir. Je vous ai fait un mix là. Ah ouais. Ouais, ils ont rajouté un flyer avec au sujet de l'artiste. Je trouve ça vraiment très sympa. Comme ça, on peut en apprendre plus. Et puis surtout découvrir les autres illustrations parce que ça ne s'arrête pas, évidemment pas, à ce qui est disponible chez DAC. Voilà, la boîte, on la met de côté. Oh, je la trouve tellement belle, mais il y en a trop que j'aime. Il y a trop que j'aime chez lui. J'aimerais vraiment
J'aimerais vraiment retrouver cet artiste dans d'autres compagnies de diamond painting. J'aimerais les faire en carré. Enfin, il y en a trop que j'aime. Alors là, on a la petite miniature. Vous savez que j'adore les renards, comme mon amie Charlotte. C'est un truc qu'on a en commun. J'allais dire avec les licornes, mais je préfère encore les renards aux licornes. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder la toile et je vais ouvrir le toolkit. Ah! Alors, le layout et space. Ah, c'est la première fois, tiens. Alors, est-ce que c'est parce que c'est du diamant rond? D'habitude, le layout, c'est plus... Comment dire? Oui, plus prononcé. Mais ça y est, j'ai ma réponse. Je vais vous montrer. Je viens de voir. Alors, on a la feuille de route. Petite feuille de route avec rappel de l'illustration. Mais sérieusement, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, j'aurais trop regretté de ne pas la prendre, celle-ci. Ouais. J'espère vraiment que le bruit de fond là n'est pas gênant. Je suis désolée. Je suis désolée. Maintenant, c'est trop tard. Je suis lancée. Je ne vais pas recommencer ma vidéo. Les petites étiquettes sont prédécoupées. Donc, on peut directement mettre ça sur ces petits pots. Ça, c'est super pratique. C'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà. On a un petit flyer qui nous remercie et puis qui nous explique un petit peu les bases du diamond painting, comment faire, etc. Dans trois langues, enfin non, sûrement plus que ça, je dis des bêtises. Non, trois langues, ok. Les instructions étape par étape. Et puis il me semble qu'il y a un petit code. Voilà. 20% si vous commandez pour la première fois sur l'application. Puis il y avait un code de 10% quelque part avant. Bon. De toute façon, en ce moment, chez DAC, il y a tout le temps un code, hein, selon les saisons. Là, c'est Summer 20. Donc voilà, en ce moment, vous avez 20% avec le code Summer 20. Alors, pourquoi cette toile est-elle comme ça? Et ben, en fait, tout simplement parce que je découvre les ronds avec vous. Alors, ceux qui ont l'habitude de commander des ronds chez eux vont peut-être pouvoir me dire. Mais en fait, le centre du cercle est blanc. Ou en tout cas éclair. Et par contre, l'extérieur du cercle est de la couleur du diamant. Ce qui fait ce layout un peu spécial, en tout cas qui ne rend pas. Mais en même temps, tant mieux, parce que je vais vraiment la découvrir en la faisant, quoi. Où est-ce que je veux dire ou pas? Regardez là, c'est assez parlant. Donc là, hop, on va prendre ce framboise, voilà. Donc, le symbole est imprimé sur fond blanc. Mais on voit bien que la case, elle est framboise. Donc je suppose que là, le dièse, voilà. Ça doit être un framboise, le 40. Bon bref, vous avez compris. Ce qui fait que du coup, bah, ça ne rend pas des masses. Hein. Alors, attendez, j'essaye de vous orienter. Non, alors je vais vous monter pour que vous la voyez bien. Voilà. La bestiole. Oh, j'aime trop. Bon, du coup, la toile ne rend pas. Hein. Mais on va regarder les diamants. Et puis, avant de regarder les diamants, on va... Je vais vous laisser le renard quand même. Oui, c'est beau. Regardez ce que j'ai dans ce toolkit. Alors, je ne vais pas avoir de pince, hein, du coup, puisque c'est un diamant rond. Mais c'est pas grave. Les pinces DAC, j'en avais eu deux, il me semble. Donc voilà. Alors. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah bah j'ai pas le droit au squishy. Tiens, ça c'est étonnant. Ok, donc j'ai un stylet vert pailleté. Allô? Voilà. Avec en bout simple, mais pas de squishy. Et j'ai à côté. Deux multiplacers, donc un de 4, un de 7. J'ai une barquette en plexi transparent, pailletée, avec un bouchon. Elle est très bien cette barquette. Le petit pot en forme de cœur avec normalement les trois pains, non les deux, ouais deux. Deux pains de cire. Washi
Alors, les washi de DAC, ils sont. On a une belle longueur. Franchement, vu l'épaisseur, on a une belle longueur. Je vais vous dérouler un petit bout. Tout étoilé. Bon, ça va pas spécialement avec la toile, mais c'est pas grave, ça fait un washi quand même. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Oh là là, et mon coverminder, c'est une tuerie. Oh là là, regardez. Oh, j'aime trop, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, il est magnifique! Ah ouais! Ah bah ça, c'est une super jolie surprise. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Et on a un joli paquet de sachets zip, sachant que les diamants DAC arrivent en ribambelle. Donc c'est vrai que le sachet zip, ça peut être utile pour ranger ses restes ou tout simplement pour ceux qui travaillent avec des sachets zip, s'il y en a. Hop. Donc pas de pince, mais alors très très beau coverminder. Je suis ravie. Je suis ravie. Alors les diamants. Hop, on regarde ça. Les couleurs, je vais vous en parler un peu plus des couleurs. Pardon, j'ai pas encore la voix très nette. Bah c'est très floral quoi, voilà, c'est ça, c'est très floral. On est dans les vieux roses, les beiges, les prunes. On va avoir des bruns, des gris. On a combien de couleurs? Nous avons 60 couleurs, waouh! Waouh! Ah oui. Ah oui, je suis juste pile poil avec mes pots. Hein. 60 couleurs et on a 1, 2, 3, 4 AB. 4 AB. Ah. Voyons voir. Alors, comment je vais faire? Je vais faire que je vais faire le bazar. Hein. Voilà. Parce que je ne me fais absolument pas confiance pour les trouver sans déranger. C'est sûr que je vais tout déranger. Alors, j'ai du AB orange ici. Voilà. J'ai un autre orange plus clair ici. Un blanc. Pas en grande quantité, hein. Il m'en manque un. Alors, il va être de quelle couleur le dernier? Ah oui, non, je dois avoir un vrai blanc et un blanc cassé. Alors ça, c'est plutôt un blanc cassé. Et j'ai un vrai blanc quelque part. Ah non, c'est moi qui dis des bêtises. J'ai un champagne. Rose pâle champagne. Magnifique. Ah, il est très beau celui-là. Alors, au niveau du panel de couleurs, c'est ce que je vous ai montré, c'était mieux en ruban, c'était mieux dans le paquet, hein, on est d'accord. Ça, c'est pas très. Les ribambelles sont immenses, mais vous voyez, hein, il y a beaucoup de brun, beaucoup de rosé, de vieux rose. Ouais. Je suis absolument fan de l'illustration. Regardez, c'est beau, ces belles couleurs là. Alors j'espère que je vais apprécier l'affaire. Parce que c'est vrai que moi, les ronds. Les ronds, c'est moins mon délire, on va dire. Mais ils sont beaux, hein. Oh là là, c'est beau, ça brille, hein. Ouais. Alors, je me demande des fois. L'intérêt de mettre si peu d'une teinte, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Quand vous voyez que j'ai celui-là juste avant, hein? La nuance est quand même légère. Des fois, je me dis, bon, il pourrait en mettre qu'une des deux et puis en mettre un peu plus, et puis ça marchait aussi, hein. Parce que là, c'est 60 couleurs pour des fois pas grand-chose. Ouais. Ça, j'ai déjà regardé. Ouh là 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 là, qu'il est beau lui! Ah, c'est beau. Ok. Alors, je vais faire un peu de place. Si vous voyez derrière moi comment c'est le bazar.
Alors, le blanc AB, le 125, le 1. Est-ce que je vais y arriver? Hein? Je ne vais pas vous faire souffrir longtemps, vous inquiétez pas. Si j'y arrive pas, j'arrête. Le 1. Oui. Alors, comme en plus je n'ai aucun repère en rond, j'ai vraiment pas mes habitudes. Je vais pas le trouver. Je sens que je vais pas le trouver. Attendez. Le 2, le 3 et le 4. On va voir si je tombe sur. Ok. Alors, le 4 AB, il va y en avoir dans le renard. Là, 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 là. L'épaule de la dame. Un petit peu là. Enfin, toutes les zones orangées là. 4 et 3 d'ailleurs, elles sont au même endroit. Ok. Donc mon renard va être mis en relief. C'est très bien. Moi, j'en aurais bien mis dans les fleurs quand même. Je sais pas. Est-ce que j'en aurais mis dans certaines fleurs? Pour les orangers, j'ai vu. Ouais, remarquez, c'est plutôt un rendu aquarelle que brillant. Hein. Je sais pas. Et alors les blancs? Le 1 et le 2, ah, il y en a un petit peu là sur le nez de la dame. À la façon, façon highlighter, on va dire ça. Et est-ce que j'ai le 1 quelque part? Il y en a peut-être ailleurs dans le fond, hein, mais là je vois pas comme ça. Je vais pas vous casser les pieds à chercher pendant 1 heure. Donc le 2, il vient ici sur le nez. Le 3 et le 4, on a vu, hein, ça va être globalement dans le renard. Et sur l'épaule de la jeune femme, il me manque le 1, le blanc blanc. Ok, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, ah bah écoutez, 1, je ne sais pas. Voilà, de toute façon, le 1 est en petite quantité aussi. Il faut que j'arrête de vous casser. Les pieds avec la recherche des AB. De toute façon, je les trouve jamais. Comme ça, c'est réglé. On revient une fois sur les symboles. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien imprimé. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, j'ai jamais fait de rond chez eux. Est-ce que le fait que le fond soit blanc, est-ce que ça va me poser problème? Est-ce que si je pose mal mon diamant, le blanc va se voir? Ils sont pas tous en fond blanc. Regardez, là, on est sur des fonds de la couleur. Mais sur les couleurs foncées, en fait, ils nous ont mis un blanc au centre pour qu'on puisse voir le symbole, en fait, hein, tout simplement. Donc, en tout cas, c'est très très bien imprimé. Parfaitement imprimé, comme d'habitude chez DAC. La colle. Il n'y a pas de problème. Et donc, bah, je vous ai tout dit, hein, c'est une 56 par 66. En 60 couleurs avec 4 AB. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. J'espère vraiment un jour pouvoir unboxer d'autres choses de cet artiste parce qu'il y a tellement d'images que j'aime chez lui. Je vous invite d'ailleurs, bah, à aller faire une petite recherche internet de Dimitra Milan. Franchement, c'est magnifique ce qu'il fait. Enfin, il mélange la nature avec les animaux et les portraits et je trouve ça canon. Vraiment canon. Maintenant, à voir effectivement en diamond painting ce que ça peut rendre. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Avec plaisir, hein, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Bye bye!